Bête, démon, mort-vivant, naga, LM. Carniflex. Merci Josan. Merci beaucoup, 30 mois de soutien et en plus c'est un abonnement de niveau 2. Merci de ton aide, c'est très précieux et merci de ta fidélité, merci beaucoup. Pas mal. Mais ouais, la canne à pêche, prenez-la. Pour moi, c'est soit on a beaucoup de tempo et on n'a pas du tout de construction. Soit, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut avoir beaucoup de tempo. Ou alors, t'as pas du tout de construction et t'as pas de tempo et t'as pas de bibelot tempo. Et dans ce cas-là, tu prends la canne à pêche. Mais si t'as déjà un... Ou alors si vraiment les autres bibelots sont nazes. Mais là j'étais pas bien dans la game, mais j'avais des trucs poison. Donc j'ai préféré rajouter un poison sur le board. Votre adversaire vous a fait de sales coups. Que grider la canne à pêche quoi. Enfin, en fait ça me dérange pas de prendre des risques sur le hasard. Parce que c'est un bon hasard, c'est quand même un hasard qui va être souvent être bon. Comme la boîte de Yogg. Sauf que le bible Yogg, il arrive tôt dans la game. Donc quand bien même, pendant un ou deux coups, il fait pas grand chose, t'es quand même suffisamment tôt dans la game pour revenir d'une malchance. Alors que tour 9, quand tu prends le bible canne à pêche et que pendant deux tours t'as rien, t'as payé 6 mana pour avoir deux pièces. Donc faut faire attention avec cette canne à pêche. Ça peut vous amener beaucoup de top 8. Ça a l'air quand même vachement faible sans visage, non? Tu copies une carte et hop, c'est fini. Bah, tu copies strictement une carte, déjà. Et en plus, c'est ça, on est d'accord, tu copies strictement une carte. Donc c'est pas mal. Et ça coûte que un mana aussi. Faut considérer le coût en mana. Vous considérez que la puissance, mais il y a un coût en mana. Et plus vous payez cher, moins vous avez la possibilité de faire des choses à côté. Voyez. Vous voyez pas. C'est sûr qu'un mana c'est pas mal, mais il pourrait en mettre un tous les 3 tours. Non mais c'est strictement la carte. C'est-à-dire que si t'es parti sur une compo un peu monocréa ou une tempo un peu monocréa au départ et que t'as une créature 60-60, ça va copier ta 60-60. T'as un Titus, ça copie ton Titus. Peut-être que je surcote le truc, hein. Mais ça, pour un mana ça me paraît très bien. Encore une fois, c'est que un mana. Vous avez un tour derrière plein. Tenez, ça va vous remettre en selle. Je vais prendre la lanterne parce que l'idée c'est quand même de bien tempo avec ce personnage. Merci Nello, Nello RL, merci pour le Prime, c'est gentil, merci à toi, merci beaucoup. Ouais c'est ça, ça peut faire une copie dorée, hein, bien sûr. Tu joues Reno par exemple, c'est con mais... Par double doré. On verra, de toute façon aujourd'hui on aura l'occasion de le tester sans visage. Mais vous voyez la game d'avant, je suis dans une situation catastrophique, j'ai juste
copier le poison, ça me rajoute 1, 2 poisons. Bah c'est ça qui me permet de faire le top 4 parce que ma game elle est vraiment catastrophique. Hein. C'est vraiment une game top 8. Hein. Je vais up là. Non il est à 22. Je vais prendre la pièce après. Hein. Je crois que là dans ce spot je prends la pièce. J'ai un spot à 8 juste pour tempo. Qui est ça, 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 comme ça. Ça, c'est vraiment horrible de les trouver au début. Hein. C'est sport mortel. Hein. Ils devraient les mettre taverne 6. Comme ça, ils nous polluent pas les... ils nous polluent pas nos tavernes avant. En vrai, ils devraient être taverne 6, ceux-là. C'est chiant. Allez hop, on se motive. Ça c'est cool. Ça tient. Surtout qu'on avait un niveau de plus, non? Ah non. Une bêtise. Alors. Vous pouvez y arriver. Choisissez parmi deux nouveaux bibelots inférieurs pour remplacer celui-ci gratuitement. Chaque tour, en fait, on a deux, on a un choix de bibelot. Ouais. Il est confortable, ce tabouret. C'est pas mieux un truc doré ? Ça fait un moment que vous bougez plus. Ça c'est gros après aussi. Allez. Ok. C'est un habitué. Oh, une embuscade. Ça m'a donné Elise. Voilà. Ah, c'est tout, ça m'a donné Elise. Faire un tour. On verra. En vrai, vous m'avez influencé, hein. Bah, j'étais parti sur la dorification et un play très tempo, quoi. C'est qui a dit le cube, ça... Non, ça a l'air drôle et c'est fort et c'est vraiment cool. Il y a eu ces trois messages à la suite. C'est vraiment cool, ça a l'air drôle, c'est fort. Ouais, franchement, c'est... J'ai pas la force de résister à ce genre de message. Par contre, si je perds, c'est de votre faute, hein, vraiment. Vraiment arrêter avec ça. C'est vraiment fort ça. Le T7 mort vivant, c'est vraiment la pire carte du jeu. Je pense que c'est la pire carte du jeu depuis le début du jeu. Il y a moyen, ouais. Ça le donne quand même, vous croyez? Oh waouh. Ça par contre, c'est sympa. Attends, vous lancez votre premier sort une fois supplémentaire. Ça veut dire que ça va... Ça me découvre un taverne.
Un taverne 5, non? Bon, déjà, je fais ça. Ah. Merde, ça va rechanger. Hein? Quoi? Hein? Quoi? Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Ça, j'aime bien quand même, hein. J'ai bugué. Je savais que j'allais bugger dans ce tour. Attends, mais... Votre premier sort... Vous lancez votre premier sort à chaque fois une fois supplémentaire. Je pensais que ça allait cibler deux fois et que j'allais pouvoir double... Vous voyez ce que je veux dire? Non... J'allais pouvoir double... D'aller récupérer un 6, transformer le 4 en 5 et le 5 en 6. Bah, ça me paraît hyper logique. Ça marche avec l'Evolve. L'Evolve à 2. Oh wow. Aucun dev n'a pensé à Strix. Bah sûrement. Hein. Bah c'est pas très grave. Hein. Oh, c'est rigolo ça. Une fois que vous avez acheté une carte, plus 2. Serviteur sans type, vous obtenez... On a l'hélice sans type, on a lui. Lui. Bon, on va faire de la stat là, on est en train de se faire défoncer. Mais non! Facile, dites-moi. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas. Pas le temps de jouer, sérieux. Un truc de margoulin. Hein. Juste pas le temps de jouer en fait. À droite. Quoi jouer les Naga? Oui, oh, arrêtez. Arrêtez. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Qui rapporte.
Hunter, c'est un habitué. Heureusement que j'ai cliqué vite là-dessus. Hein. J'aurais encore eu pas forcément le temps, c'est un truc de fou. Pourquoi j'ai pris... c'est quoi la question? Pourquoi j'ai pris les dégâts? Mais parce que j'étais sous le dot du plus 2, plus 1. Non, il n'y a que le bibelon inférieur qui change. Avec Bran, j'aime bien ça. Surtout que là, il y a Naga, LM, tu peux faire un peu d'économie, tu peux jouer un peu hybride, entre guillemets. Ça quand même assez intéressant. Surtout qu'on était dans une PLS avec nos 14 points de vie. Donc, je pense que c'est pas mal d'assurer quand même avec de la stat. De toute façon, il n'y a pas pirate, il n'y a pas murloc. Donc, à part jouer démon Bran, mais le problème c'est que démon Bran, il faut booster la taverne en face. Et là, c'est pas vraiment le cas. Mais ça, c'est vraiment rigolo. Hein. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais... Ah, ça fait quand même la roue. Ah, c'est vraiment pété. Bon, ça, c'est de la caille. Ah, quoique. C'était quoi les stats? Il s'est rien passé? Ah si, lui, il a pris un peu, non? Ouais, là, c'est cool. Hein. Plutôt de l'économie. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Ok. Mais tu y faisais pas confiance non plus. C'est pété parce que tous les trucs qui ont effet quand ça arrive et début de tour, parce qu'en fait toutes les cartes elles ont au début de tour ça fait un effet plus au moment où tu le prends. Par exemple la roue, j'ai eu double roue. Non mais c'est vraiment trop bien. J'aime bien mon board. Il est hyper original. Bah surtout qu'à la base j'ai payé 3 mana. Non j'avoue que c'est je pense que c'est fort. Ce bibelot là. Parce qu'en plus tu peux choisir en fonction de ce que t'as. Typiquement ça c'est pas très bon en bibelot inférieur. Mais là vu que j'ai un Bran et que je fais un peu d'économie, bah franchement c'est cool. Bon, faut trouver de l'armure quand même. Pour éviter un malentendu. Découvre un serviteur avec râle d'agonie. Le premier se déclenche une fois de plus. Bah avec ça, c'est gourmand. Hein. Ça, c'est cool aussi. Yeah.
ainsi l'étape 19 de ma routine beauté. Pas dégueu, je crois. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Jamais de l'aide, aussi petite soit-elle. Je crois qu'on va quand même taunter Bran et ça. On fait un truc comme ça? Le premier Rale d'Agonie qui meurt se déclenche une fois de plus. C'est trop bien avec ça. Je sais pas trop ce qu'il fait lui. Il joue au jeu vidéo. Faut mettre le démon en quatrième, sinon c'est Labo qui va proc. L'atrocité tu veux dire? Non. Non, mais j'ai envie que tu m'expliques pourquoi. Dis-moi pourquoi. C'est rigolo ce qu'il fait. Le but c'est de gagner le fight. Oui. C'est un peu l'idée. L'idée c'est que dans tous les cas, s'il meurt pas, c'est que j'ai gagné le fight. Si le gars, le démon, il meurt pas avant que l'atrocité attaque, bah a priori j'ai gagné, donc je m'en moque. Il faut optimiser les chances pour gagner le combat, pas optimiser pour mettre en place une synergie. Ça... Il y a le hara avec ça. Je pense pas que ce soit exceptionnel. Je vais quand même voir ce qu'il y a là-dessous. On va servir un homme. Non, parce que ça peut donner des rôles. Donc ça fait plus de pièces. Voilà, avec des trucs comme ça. Ouh, j'ai cru que j'avais viré le Bran. Mamma mia. Mort vivant. Je parle trop, hein. Vous allez me dire, tu parles un peu trop, fichou. T'as pas le temps de jouer. Vous avez raison. Ah, je parle trop, mais bon. J'aime bien vous expliquer les choses. Désolé. Oh. Eh, on est peut-être dans notre 24%, hein. Non, non, c'est pas, vous êtes pas foutus, c'est totalement de ma responsabilité. Mais je vais pas arrêter, hein. C'est aussi pour ça que vous appréciez le contenu, j'imagine. Parce que vous apprenez des choses.
Ouais. Pas mal, pas mal. Ok. Il avait un setup lui, hein. Il avait un sacré board même, en vrai. Ça fait un raté de partout à la fin. Je prends les pièces maintenant. Quoique. Une action qui rapporte. On a lui qui est cool quand même là. C'est vraiment rigolo ça. Là, avec un bord pourri mais homogène, c'est sympa. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Je pense que je suis meilleur que lui. Je vois ton point de vue, c'est cohérent. Je réfléchirai à deux fois la prochaine fois avant de parler. Ah non, surtout pas. Tu vois, si t'avais rien dit, tu te serais dit « Ah, Fichou, il a fait une erreur avec son placement. » Mais tu vois, si tu dis rien, tu peux pas progresser. Donc t'as bien eu raison de le dire. La prochaine fois, toi, tu feras le même play que moi en te disant « Ah, c'est le play à faire. » Serviteur allié sans type meurt. Ouais, bon, de toute façon, là, je pense que je vais me faire fracasser. Hein. J'ai pas un board très fort. Hein. On est arrivé à faire des choses rigolotes dans cette game, mais je pense que ça va s'arrêter là. Ah. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Ça c'est contre LM, j'aime pas trop. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Quand est-ce que le combat commence ? Bon, on va essayer de jouer sur nos forces. Hein. Nos forces c'est quoi ? C'est... c'est ça et ça quoi. Mais vous voyez, elle est sympa cette game, hein, parce que franchement, on n'a pas fait une super game. Enfin, en fait, notre game, elle est correcte, mais Bran dans ce lobby, c'était pas dingue. Clairement. Mais on est quand même arrivé à construire des choses suffisamment fortes pour faire top 2 grâce au Biblo. Le Biblo à carry, clairement. Parce que ça, il n'y avait pas pirate, il n'y avait pas... Donc ça a fait un peu de stats suffisamment en tout cas, mais c'était pas incroyable. Enfin, c'est pas mal, mais... C'est un biblo de tempo construction, pas de construction pure. Mais par contre, le biblo inférieur était dégénéré. Hein. La double roue diogle. Beaucoup, beaucoup d'économies. J'allais le dire, il y a un monde où on peut gagner. Bah voilà. Incroyable, hein. Par contre, ça, c'est pas cool. Ça, par contre, c'est pas cool du tout.
Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. À droite. Pas à gauche, pas... ouais. À droite quoi. À gauche toi maintenant. Bon. Bon, il y a un autre match, mais on a vendu notre Bran. On l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas... Ok. Ah, vous avez réussi. On a bien amélioré sur ce tour. Oh, oh non. Oh, ça c'est moche d'avoir pris ça. Aïe 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 aïe. Oh non. On est one ouf. Pas les up. J'aurais dû up. Ouais ouais mais bon je savais pas. Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Ah là là, one off quoi, juste parce que j'ai pas up. Incroyable. L'or est à vous. Mal dépensé en une seule fois. Scam contre scam. Ah, il a stressé. GG. Magnifique hein, stop hein. Magnifique.
Ouais, ouais, bah il a stressé à la fin, je pense qu'il s'est fait avoir par le temps. Peut-être qu'il a une mini déco. Bon, de toute façon, j'étais large devant, hein. Puis j'avais encore amélioré. Let's go!